Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et donc sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on sera en sécurité publique sur le serveur de Monsieur Rasuper, Arma4Life. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Pardon, Oscar, des effectifs à bord du Stinger. Parce qu'il m'a pris. Ils sont où Il met un point. Back, c'est au milieu, dans les... Ah, super, ouais. 155.8. On a réussi à se débloquer de l'arbre. Ah. D'accord. Bon, je vous explique cette situation. Nous étions là où il y a le véhicule de Red. Derrière l'arbre là. Cody s'est été averti ou pas? Red a fini ici. Nous on était contre là mais on a dû faire des bonos pour descendre. Mais tout va bien un peu de ce qu'a Cody, ça a été averti ou pas? D'accord. Non, on est appelé Cody. Cody d'Oscar. Comment se mettait? J'ai deux membres à moi au sol au niveau de la réserve naturelle. J'aurais besoin d'une unité médicale. J'aurais demandé de monter dans le véhicule, j'aurais dit au départ qu'on était cassé. J'ai déjà remarqué qu'il était cassé. Moi je me suis dit peut-être qu'on pouvait partir. Il y a un véhicule raide coincé en rue. T'as pas de coupe? Non, mais ils sont de l'autre côté de la montagne, ils sont sur notre position, on va vous mettre un point. Ah, c'est bon, ils sont juste à côté de vous. C'est beau. Belle soirée. Les vos deux collègues, c'est quoi, vous en avez deux dans la voiture ou un seul? Ouais, deux. En deux, c'est les deux. Demandez voir s'ils veulent une assistance médicale en même temps, vu que vous avez fait des tonneaux. Oui. Quelqu'un veut une assistance médicale? Non, monsieur, ça perd vos pieds de Vice City, ils sont en train de descendre avant la main avec les yeux. Ok, on va faire ça. Okay. Et du coup, la KTM est où? Monsieur le pompier, c'est le seul véhicule qu'on oui. a réussi à détruire. Oui, alors là, nos collègues, là, ils ont dû faire des tonneaux pour pouvoir sortir de la montagne. Et manque de peau, bah, il y a les deux personnes qu'on a interpellées dedans qui demandent d'avoir une assistance médicale. Si vous pouvez voir ce qui. Pas de soucis, je fais ça. Merci. Personne qui a besoin de son médico, il sort, s'il vous plaît. Il y a de mon côté. Il y a un pompier pour vous. Bonsoir, Capitaine Vitaire, bienvenue. Lui il va glisser l'autre touche. Cody de SAV01, PSAV02 pour 1000. On verra ça après, vous inquiétez pas. Moi non plus. Oh bah ça et il regarde le descendre l'autre là. Bonjour monsieur, ça pompe de Vice City. Bonjour. Autour de la montagne. Qui compte escalader là le Mont Everest ou... Bonjour monsieur, vous savez ce qui s'est passé? On a fait une grande chose. Grande chute, c'est vrai. Ah, mon but des courses poursuites aussi drôle. C'est raide hein, quoi. Entre ça et mais raide au sol. Ah oui, non mais c'est raide la plaque à la pente, je vous l'ai dit. Ah oui, mais comme raide qui est au sol. Ils ont tous les deux coulés hein. Et le véhicule il restera là-haut du coup. Ok, vous appliquez. J'irai pas le chercher moi, je retourne pas non plus. Dangereux. Ok, vous avez quel âge? Adapté aux conditions comme ça. 32 ans, vous mesurez combien? D'accord, pourquoi une
D'accord. Vous avez une douleur où sur une échelle de 0 à 10? Ok, on va regarder ça après. Vous voulez évaluer votre. Une fois qu'il a fini avec le médecin, vous pourrez y aller back, occupez-vous des contrôles. D'accord, et c'est les deux jambes, juste un genou. Deux jambes, d'accord. Alors, jambes. Ok, 5 pareil. 2, ok, ça marche. On va regarder ça, je vais faire une palpation afin de voir si vous n'avez pas de douleur, monsieur. Sentez vos doigts. Ouais, sentez votre côté, vous n'avez pas mal de cervicales. Non? Ok, parfait. Est-ce que vous avez mal en bas du dos? N'oubliez pas ça. Un petit peu. Ok, on va noter bassin aussi. Il est belle. Bassin, vous avez évalué votre douleur sur une échelle de 0 à 10, c'est combien? 3 sur 10, d'accord. Ouais, 4, ok. J'ai eu tout l'ambulancier. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des traitements pour monsieur, vous êtes asthmatique ou diabétique ou allergique aux médicaments? Je suis vendredi, c'est vraiment le main, putain, un coup. Pas de traitement. Est-ce que vous avez actuellement des vertiges, nos têtes, maux de tête ou nausées, excusez-moi? Parfait, pas tout ça. Ok. Hop. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux, donc récemment hospitalisé ou quoi que ce soit? Ok. 9 mois. Épaule gauche, d'accord. Vous avez eu un traitement par rapport à ça? Vous avez remarqué, c'est pas remettre, d'accord? Okay. Ah, mais ça m'a déjà bien soulagé, monsieur, merci. Il y a un bandage là-dedans ou un antiseptique? Oui, je suppose que non. Oui. Ah, j'ai un moustique qui m'a piqué là. Parfait. Vas-y. Merci. Juste là, parfait. Du coup, jamais avec le coronavirus. C'est pas arrivé long. Un véhicule là-haut. Ok, très bien. Et eh ben, je vais faire le bilan, monsieur, mon côté. Un véhicule. Je il est parti de l'autre côté. Vous êtes encore sûr pendant le bilan? Je pense que je vais être. Elle va monter dans la voiture. Bon. T'as la plaque? 104, oui. On a des individus armés à la prison qui bloquent la prison. Oh, on peut pas faire autrement pour le moment. Les patrouilles indisponibles. Même problème partout, tout le tour. Oh, pour Oscar, il y a même un monsieur en gilet jaune qui est en bas de la montagne là-bas qui nous regarde, s'il vous plaît. Qui court là-bas là. Merci. Ouais, il y a l'ambiance. Non. Chestov, tu me rassures, c'est pas lui? T'es vers où, toi? Ok, et c'est du coup l'armée qui va ramener les victimes au niveau du vaisseau. Justement, c'est une question que je te pose. Oula! Ah, mais peut-être avec Cody, je vais monter et il nous ramène au vaisseau. Et votre collègue, il fait la révision de la voiture? Ah, je sais pas ce qu'il fait, mon collègue. Ah, bah... Il est en train de faire la vidange, je crois, là. Attendez, j'arrive, monsieur. Il est en train de faire la vidange. Je crois qu'il s'est pris l'huile sur la tête. Transmettre le bilan. Aïe, aïe, aïe. Je pensais... Je vois attendez, attendez. Ah, je sais pas comment il a fait, mais. Mec, bravo, indisponible pour contrôle total au commissariat. Aïe, aïe, aïe. Parfait, on a rien vu. C'est bien reçu, Oscar. C'est suivi, Oscar. Du coup. Du coup,
Pour information d'Oscar, le convoi pénitentiaire qui devait transporter deux individus en partance du commissariat a été bloqué au niveau de la prison par des individus armés. Trois individus, donc une Clio noire et une DRS noire. Les agents de sécurité ont réussi à faire demi-tour. Je leur ai indiqué de se rendre de nouveau au commissariat. C'est reçu pour bagage. Je sais pas, faut voir avec le 10. Du coup, on va le mettre sur le brancard, mais justement, on va laisser l'ambulance formidable. Le ramener au VSAV. Ou... Comment ça se passe? Ok, ça marche sans problème. D'accord, ça marche. Quelques bandages. Ok, très bien. On va se partir. Ah, monsieur, je vais vous mettre sur le brancard. Hop. Vous avez aussi, on va aller jusqu'à l'ambulance, après on vous mettra au VSAV. Faut aller, venez. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Fait. Bac d'Oscar. Allez, j'en ai. Mais qu'est-ce que c'est que ce soit? Bac d'Oscar. Allez, venez. Bac d'Oscar. Parfait. 1, 2, 3. Vous m'entendez? Il n'y a que le métro est close. Il sera transporté où, mon collègue? On va aller. Attendez, je vois qu'on fait. Je te vois pas à côté de moi. Chesna, on est. On va. Attendez, attendez, attendez. Oh. Ils sont où, quoi? Bon, bah, on va devoir le rattraper. On a actuellement attrapé le vendeur d'armes de Monsieur Martin Lord. C'est suivi. C'est une blague. Fall Church, mais pourquoi il part par là pour aller à Fall Church? Pas mis un sacré trou là encore. Ouais. Oscar de Bac. Et où là? Ah oui, ok. Ah, c'est fou, ils m'entendent pas le Bac ou. Pas. Oscar de Bac. Oscar, vous êtes Oscar. Ah oui, non, bac d'Oscar, autant pour moi. Pas de soucis, allez, good. Ouais, une fois que le commandant pénitentiaire est sur votre position, j'aimerais qu'un nouveau effectif reste à queue en attendant que le raid soit de nouveau disponible. Bien sûr. C'est de leur faute aussi. Un coup de main? Non, c'est bon, merci. Partout dans cette. C'est BI-404 Lucatores. Ah si, c'est ça. J'ai pas eu le commissariat pour faire le...
pas. C'est lui qui n'a pas pu arriver jusqu'à la prison. Moi, il y avait un convoi pénitentiaire, j'étais pas au courant. Mais c'est ça, hein. On vous a demandé de transporter deux individus. Arrivés sur la prison, vos collègues ont a priori été pris à partie par deux véhicules armés lourdement qui les empêchaient d'accéder à la prison. Et du coup, ils ont fait un retour commissariat normalement, mais j'aimerais bien savoir s'ils sont au commissariat. D'accord, bah écoutez, je les ai vus partir. Les deux véhicules sont encore avec nous. Donc je pense qu'ils devraient pas tarder à arriver à mon avis. Mais je vais les appeler voir ce que c'est. Les deux véhicules, lesquels? Les verts, ceux qui sont armés? Oui. Celui qui bloquait la prison et l'autre véhicule qui arrivait avec 4 personnes dedans. Donc les individus sont toujours sur place? Ils sont toujours sur place avec nous, ils sont plutôt calmes, ils n'ont pas sorti d'armes devant nous pour le moment. Ils c'est quoi les véhicules mais, c'est du coup une RS noire et une Clio noire, et on vous a envoyé les plaques tout à l'heure. Merci. Ah là, je vous en prie. Tenez-nous au courant du coup. Ouais, essayez de voir avec vos collègues s'ils sont bel et bien arrivés au commissariat s'il vous plaît. Ok, c'est reçu. Je prends contact avec. Au courant de rien, lui, encore. La centrale, il est au courant de rien. Est-ce que vous pourriez me rafraîchir la mémoire? C'était il y a 3 minutes, bonsoir, donc... Dragon, bienvenue. Ça devrait être frais. Escarre de Vec. Police de Vecès. Pour les messieurs qui sont dans la voiture de sécurité, on attend le raid, on les escorte nous-mêmes dans la voiture de Vec. Ouais, dans le raid. Oui, merci. J'ai répondu. On a déjà une mission pour vous, hein, Red. Oui. Mais d'abord, j'ai pas besoin de passer. On va voir si on peut pas descendre. Elle fait partie de la montagne. Moi je trouvais ça drôle. Ah mais nous faisons aussi un truc sur le volet. Message pour le commandant, il souhaiterait vous parler les deux individus là, c'est dans la voiture là. Oh, on va juste chercher des... Ouais j'arrive. Dites-leur de rentrer le véhicule de sécurité dans la cour du commissariat s'il vous plaît. Messieurs, oui, bonjour. Qui, c'est qui les messieurs? Bon, en fait, d'abord, je vais commencer à parler, s'il te plaît. Attends, moi je vais juste exposer certains faits que je ne comprends pas. C'est qu'il y a des agents de sécurité qui sont environ 6 à leur QGDP qui se font bloquer par une voiture avec un mec qui sort de sa voiture. QG, pardon, QG, CQ. À la prison, ils se font bloquer par une voiture
on sait pas qui c'est. Avec un mec qui sort, il est en claquette, ils savent pas le maîtriser, ils savent rien faire, ils savent pas faire bouger une voiture de devant une barrière. Et c'est un agent de la Brinks qui doit venir pointer le civil avec son arme pour qu'il se mette à terre. Est-ce que c'est logique? Ah oui, mais ça... Soulé que j'y fasse, hein. Fasse. Ça, je comprends pas. Mais au-delà de ça, c'est pas le problème, c'est juste qu'en fait, on est arrivé devant la prison, que la prison était bloquée par une voiture civile, que personne n'a bougé cette voiture civile, et du coup, on nous a ramené au commissariat pour nous ramener en prison, mais on fait que ça, en fait. Et sur ordre direct de moi-même, donc c'est normal que vous soyez là. Ah oui, mais monsieur, non mais attendez, je suis désolé, ça fait 1h30 pour mon collègue, peut-être. Moi, ça fait une demi-heure que je suis dans la voiture, on fait un aller-retour, la voiture de prison, elle aurait été purgée depuis X, Y, et je ne comprends pas pourquoi, une fois qu'on était à la prison, on n'a pas été emmené en prison. Moi, je trouve qu'une demi-heure, parce que manifestement... Oui, déjà, et puis manifestement, la prison n'était pas accessible puisqu'il y avait des personnes armées qui attendaient devant. Bah pourquoi vous n'êtes pas venu débloquer la prison plutôt que... Parce qu'on était déjà occupés, messieurs. On était occupés, monsieur, attendez. Donc c'est normal que ce soit des agents de la Brinks qui viennent avec leurs armes. Ah bah on n'a pas demandé aux agents de la Brinks de venir en tout cas. Ah bah pourtant ils débarquent et ils pointent les civils avec leurs armes. La prochaine fois, vous y réfléchirez avant de faire des choses illégales, vous irez pas en prison, vous ferez pas le yo-yo entre le commissariat et la prison. Non, mais ça c'est juste n'importe quoi, d'emmener les gens en prison, de les faire revenir et de les ramener. Hey, monsieur l'agent de sécurité, vous prenez votre véhicule, vous allez vers la prison, vous allez être escorté par le raid. Si vous voyez des véhicules qui bloquent, vous passez, vous laissez passer le raid devant. Allez, on y va lui aussi. Hop, c'est moi qui conduis. Raid d'Oscar. Parfait. Donc pour information, les véhicules sur position, on avait une Clio noire et une Audi RS noire, 3 personnes dont une femme. Les deux véhicules, on avait les plaques, elles ressortaient au nom de Canes Pelia et Lucas Torres. C'est reçu. De toute façon, on est paré, si c'est attirant. C'est suivi aux dernières nouvelles, ils étaient toujours sur position. Alors, réitéré ? Aux dernières nouvelles, ils étaient toujours sur position. Ah oui, ils sont déterminés. Ouais, bah, c'est reçu, on y va. Oui. Vous êtes où? Bah je vous cherche. Bah je suis dans le véhicule, je vous attends. Ah bah j'arrive, du coup j'étais en train de fermer toutes les portes qui étaient ouvertes. Merci. Bah je suis devant. C'est qui la voiture qui est devant là? C'est peut-être l'avocat, non? Pardon? Ah bah il faut. Allez. C'est Bac qui se trompe de fréquence. Transmettez. Cela se pose d'informer un changement des juges pour notre part en ordre sur. C'est suivi. Bah, ils sont sur quelque chose là. Oui, c'est un interview avec leur bonheur. Non, ils sont sur quelque chose, ils sont. Ils sont partis, le mec, ils sont partis sur le véhicule du gars. Hein? C'est bon, ça c'est bon.
Alors qu'il y a... Ça fait une démarche à la chaîne. Ouais, non mais c'est une blague. 155 points. Il est gueule, ouais, il sort très bien, j'ai une balle dans le bras, mais à part ça, toi. Si on pourrait, on a une Audi derrière nous noire, on va essayer de la contrôler. RS6. Merci. On a reçu les tonnes au niveau du feu, justement, croisement en prison avec sa sponsorise. Je peux les récupérer, ça prend le coffre. Vas-y. Moi. Tu faisais quoi sur zone? Ah, rien, je sortais de Costa. J'ai réparé mon véhicule, je me suis arrêté au feu, c'est tout. Réparer votre véhicule? Ouais, sur Costa. D'accord. Je vais se ramasser. Je vais pouvoir reprendre la route. Ok, bien fait. Bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Hein? 100 yams la plaque. Okay. Vous avertissez les dépanneurs, vous donnez le nom du propriétaire et ils viennent le récupérer. Mais il n'y a plus de dépanneurs 113, c'est des dépanneurs 105. Ah non, on contacte que la 113, on va pas s'emmerder sur la 105. Ils sont pas sur la 113, tant pis pour eux. Et du coup, il n'y a pas de dépanneurs. Vous mettez en fouillage à qui? Marqueur vert, marqueur vert. Ascarte que 10. 10. Transmettez. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu,
et à vous abonner à ma chaîne YouTube en espérant vous revoir ou en espérant que vous regardez d'autres de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.